J'ai souvent des inflammations. Peut-être prendre des larves de carpe. On est toujours au campus Team Normandie des Étoiles du Sport. Je me fais passer pour un nutritionniste et je vais piéger le champion de France de lutte avec l'aide de Joseph Garbaccio. Ça va, ta nutrition, c'est ce qu'on, tu respectes ce qu'on s'est non, dit et tout ça bien, ouais. Fais des soirées et tout, mais ça va. Ouais. C'est pas la nutrition, c'est la boisson. Par contre, te marre pas trop parce que toi, j'arrête pas. Non, mais. non, franchement, j'arrête pas de te voir picorer sur tous les trucs et tout ça. Quand j'achète, c'est vrai qu'en gros, généralement, les paquets de gâteaux, je les finis, mais je suis pas un gros grignoteur. Mais arrête de te foutre de ma gueule. Tout à l'heure, j'ai vu des barres, tu les as empiffrées comme ça, blablabla. J'ai failli intervenir, j'ai fait, attends, tu fais quoi? C'est faux ou pas? C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Mets-toi torse nu, s'il te plaît. Ouais. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je crois que je pourrais être plus affûté, c'est vrai. C'est-à-dire que là, t'as que du gras, quoi. T'es un lutteur. Un lutteur, c'est censé avoir la peau sur les muscles. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ouais, oui. Mais ouais, j'ai pas d'excuses. Ouais, t'as pas d'excuses. Sinon, là, je suis pas au max de ma forme, tu vois. Je te confirme que t'es pas au max de ta forme. Oui, je te confirme. Là, quand je te vois, ça fait peur, quoi. Ici, c'est le haut niveau. Moi, je les connais, les lutteurs. Hein. Les lutteurs, ils sont hyper secs. Regarde comme t'es gras. On dirait un petit loukoum. On va faire le test du pied, ce qu'on t'avait fait l'autre fois, là. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu vas enlever ta chaussure. Hop. L'odeur de la sueur, ça te dit qu'est-ce qui manque comme aliment. Donc, je vais sentir tes pieds. Ouais. Donc, tu vois, ça sent fort, quand même. Là, ça sent le chêne brûlé. Donc, ça veut dire que tu prends trop de laitage. C'est vrai. Alors ce que je te propose, c'est essaye de faire le test en sentant les pieds de Joseph et tu vas dire ce que ça sent. Et du coup, tu vas... Alors, à quel... Vas-y. Par contre, c'est ça. Non, on est dans la même chambre, en fait. Ah, mais non, parce que toi, c'est ton travail, c'est pour ça, nous, on est dans la même chambre. Mais c'est sérieux, par contre. Non, vraiment. Alors, à quelle odeur ça te fait penser? Ils sentent rien. Ça veut dire quoi, s'ils sentent bien? Il a une meilleure alimentation. Qu'il a une alimentation équilibrée. Tu m'en as appris des trucs là, j'avais jamais fait ça. Mais tous les soirs, tu dois te sentir tes pieds? Je savais pas du tout. Moi, j'aimerais bien une alimentation qui renforce mes tendons. J'ai l'impression que... Ah, les tendons? Ouais, j'ai l'impression que j'ai souvent des inflammations. Peut-être prendre des larves de carpe. Larves? Ça s'achète pas dans le commerce, donc faut que tu ailles les pêcher. Ah. Ouais. Waouh. Je peux pas les commander sur internet? Non, parce que ça doit être très frais. C'est-à-dire que les larves de carpe, tu les pêches. Tu les manges direct? Tu les manges direct. Ah ouais? Ouais, direct. Waouh, mais comment je fais pour me procurer ça? Il y a partout des larves de carpe? T'habites où toi? En Ile-de-France. Ah ouais, alors pour pêcher, il faut que tu pêches. Attends, la Seine, mais il y en a pas. Si. Il y en a entre le Pont Neuf et Notre-Dame, sur la rive droite, là, il y a des larves de carpe. Pourquoi dame? Parce qu'en gros, j'ai jamais pêché. Il va falloir se lancer là. Toi, t'avais aussi un problème de paix, c'est ça? Tu te rappelles, t'avais les paix qui sentaient très mauvais, quoi. Ouais, mais là, t'es dur. Hein. Toi, t'as des paix qui sentent comment? Vous savez, c'est des silencieux, ils sentent mauvais quand même. C'est vrai, non, mais j'ai obligé de trouver. Et comment on règle ça du coup? Alimentation, travail. Les paix? Faut parler à ses paix. Tu parles à tes paix. Comment ça marche? Non, dans la tête, genre. Le mental. Waouh. Tu contractes ici ton estomac et tu parles à tes paix. T'as jamais essayé de parler à tes paix? Non. Mais mec, c'est la base. C'est la base. Bon, allez, c'est une caméra cachée, c'est des conneries qu'on faisait avec Joe. Merde. Et je me suis dit, ouais, c'est un nutritionniste et tout. Je me suis dit, c'est ce qu'il dit, tu vois. C'est parce que t'as la télé. Il était là, entre le pont. N'hésitez pas à suivre Dimitri dans sa conquête olympique. Et suivez également mon ami Joseph Garbaccio sur sa chaîne et les Étoiles du Sport pour avoir toute l'actualité des sportifs français.